Les travaux de bitumage de diverses rues contiguës dans la commune du premier arrondissement s'effectuent sans difficulté majeure. C'est pour se rendre à l'évidence de l'évolution des activités sur le terrain que le ministre en charge des infrastructures s'est rendu sur place. Il est prévu 10 kilomètres de rues bitumées dans cette circonscription administrative. À Farcha, nous avons constaté que les travaux avancent très bien et les techniciens nous ont rassurés que ces travaux pourrait prendre fin d'ici 2022. Après le premier arrondissement, le chef du département des infrastructures et du désenclavement, accompagné de son staff, a visité le chantier de bitumage de la rue Ibrahim Abatia qui fait suite au boulevard de 60 mètres. Ici, les travaux ne marchent pas normalement parce que l'entreprise n'a pas assez mobilisé des engins sur le chantier. Ça, nous déplorons cette attitude. Et nous pensons qu'on va s'asseoir avec l'entreprise en charge des travaux pour pouvoir solutionner cette difficulté. Le bitumage de cette rue qui s'étend sur 10 km permettra aux usagers de circuler sans difficulté, même en saison des pluies.